À la fin de l'été, Kate et William ont pris la décision de déménager à Adelaide Cottage, dans le Berkshire. Un chamboulement qui a valu aux enfants du couple, George, Charlotte et Louis, de faire leur entrée dans une nouvelle école. En septembre dernier, CST donc à la Lambrook School, une école privée et mixte située à une quinzaine de minutes de leur domicile, que les jeunes écoliers ont fait leur entrée. Auparavant, les aînés étaient scolarisés à la Chisicine Thomas Batterseau School, une école privée de Londres à plus de 20 000 euros l'année. Or, d'après Hello Magazine, l'établissement UP se retrouve aujourd'hui au cœur d'un scandale, puisque l'un de ses enseignants aurait admis avoir commis plusieurs infractions sexuelles sur des enfants. En effet, Matthew Smith, enseignant et directeur adjoint de la pastorale à la Thomas Batterseau School, a été arrêté par des membres de l'Agence nationale contre le crime à son domicile d'East Dulwich le dimanche 6 novembre dernier. D'après les informations de Southwark News, ce dernier est accusé d'avoir causé ou incité à l'abus sexuel d'un enfant de moins de 13 ans, d'avoir distribué des images indécentes d'enfants de catégorie A, la plus grave, note de la rédaction, et de trois chefs d'accusation de catégorie AC. L'homme de 34 ans a plaidé coupable pour les cinq chefs d'accusation le 9 novembre devant le tribunal de Westminster. George et Charlotte, loin du scandale d'après Mail Online, les accusations ne concerneraient pas les enfants qui fréquentent la Thomas Batterseau School, où Matthew Smith enseignait depuis le mois de septembre. Quant à George et Charlotte, ils n'ont même jamais croisé l'enseignant, puisqu'ils ont quitté l'établissement quelques mois avant son arrivée. Je ne sous-estime pas une minute la nature choquante et profondément préoccupante de cette nouvelle. Pour l'instant, nous nous concentrons sur nos élèves, nos parents et nos collègues, a déclaré le directeur de la Thomas Batterseau School avant d'ajouter, nous devrons travailler ensemble pour répondre aux questions des enfants d'une manière adaptée à leur âge. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez dire à votre enfant et que vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, n'hésitez pas à contacter l'un des membres suivants de notre équipe de direction. Thank you.